Bonjour à vous et bienvenue pour ce cinquième épisode de Pokémon Or, donc une version Or en compagnie d'Ores. Alors, quoi au programme cette fois-ci? Eh bien, on va se faire l'arène de je ne sais plus quelle ville c'est, mais c'est l'arène des spectres, de Pokémon type spectre. Pour ce faire, j'ai fait XP mon Abra pour qu'il évolue en Kadabra, qu'il ait enfin un sort efficace, à savoir choc mental. Et durant cette séance d'XP, j'ai capturé un Pokémon très intéressant, à savoir Changelogepi, alias Benoît, pour que vous le voyez, à savoir Kalinos. Alors Kalinos, il va faire le taf. Je l'ai pas renommé, j'avais pas d'idée, je suis resté pendant 5 minutes devant l'écran du rename sans savoir quoi faire. Et c'est pas la reine, la reine est ici, oups. Et nous voilà, la partie. Alors, avec votre fidèle Kadabra, j'espère que ça suffira, Kadabra. Oui, j'ai passé 10 minutes à... explique mon cas à mon bras, j'espère qu'il fera des dégâts à vos Pokémon, monsieur. Enchanté. Et voilà, que des Fantominus. Que des Fantominus, niveau 16 quand même, ouf. J'espère que ça sera pas trop embêtant. Alors, allons-y. Allez, Kadabra, j'ai confiance en toi. Tu le one turn, tu le défonces. Oh, incroyable. Et c'est génial, Kadabra, il fait le taf, déjà, là. Il met KO un Pokémon de son niveau tout seul. Bon, avec faiblesse certes, mais... Ah bah non, c'est parti, tout est Fantominus. Tout est Fantominus, ils vont se faire manger par mon Kadabra. Hop là, et on recommence, attaque mon choc mental. Oh là là, c'est trop bien. Oh, j'avais peur pour cette arène, mais en fin de compte, ça devrait le faire. Surtout qu'il va prendre plein d'expérience. Mais non, je joue pas de Pokémon. Léo, mon pauvre Léo, ce que tu prends. Tout est Kadabra, tout est Fantominus, KO 1 à 1. Le Kadabra Master Race. Devant vous, mesdames et messieurs, regardez-le, sa cuillère. Alors, Kadabra, et même Abra, Kadabra et Alakazam sont des Pokémon que j'aime beaucoup, et une famille de Pokémon que j'aime beaucoup. Et j'ai pour habitude à chacune de mes runs de Pokémon de capturer un Abra, enfin si je peux bien sûr, s'il n'y a pas d'Abra, soit possible, mais si je peux de capturer un Abra et de le faire XP pour qu'il évolue un Kadabra et ainsi de suite. Bon là il restera Kadabra parce qu'on peut pas faire d'échange comme j'avais dit dans une précédente vidéo. Pff, entrave encore un sort très utile, on est très content. Non en vrai, entrave c'est pas le plus mauvais des sorts si je puis me permettre. Alors j'espère qu'on aura assez de PP pour tout le donjon. Assez de PP pour toute l'arène. À force de spammer notre choc mental. Peut-être qu'on débloquera une rafale psy niveau 21. Il me semble que c'est niveau 21. Les seuls trucs. Si, peut-être que c'est niveau 21. Je ne sais plus, j'ai oublié. Et voilà. Je me souviens que dans Pokémon Lune, du coup, on tombe. Voilà, on tombe. Du coup, il y a un pattern à suivre. Alors, quel pattern? Je ne sais pas. Ici. Super, ici. Ici. Génial. Ah oui, il y a un conseil. Oh, il y a des conseils, j'ai pas demandé à l'autre. Zut. Ouf, oh, le skin. La grand-mère, vraiment pas contente. Qui a même des spectrums. La grand-mère, pas contente, qui a des spectrums niveau 20. Ouf. Oh là. Alors, espérons que ça va passer. On a confiance. Kadabra, on a confiance, vas-y. Vas-y. Vas-y, si jamais tu ne le matchotes pas, je comprendrai, c'est d'un spectrum et niveau 20. Bon, pas loin, franchement pas loin. Oh merde, oh là là, ouh, ça va faire mal ça. Oh! Oh bah ça va. Oh, j'entendais la pierre. Niveau 20 contre un niveau 18. Et là, c'est clairement le type poison des spectrums qui, de la famille Fantominus, Spectrum et Cloplasma, qui tombait bien. Oh, ça se passe tellement bien, gardons. Est-ce qu'on va mettre KO en une attaque celui-là? Oh bah oui, oh c'est génial, ça y est, les spectres niveau 20 ne résistent plus. Là il y a le conseil. Quoi? Oh, ce skin, je vous laisse quelques secondes pour admirer ce skin, la grand-mère, en PLS, la main vers le ciel. Qui a des fantômes qui pètent dans tous les sens, son visage ne veut rien dire, admirer, c'est bon. Ok, ton conseil c'est quoi? Ok, oui.
D'accord. Ok. Ok, c'est très compliqué du coup. Waouh. J'espère que vous avez lu cette leçon de vie. Personnellement, je me sens grandi. Je me sens grandi. Ce magnifique crâne chauve. Il y a encore un spectrum niveau 22. Deux niveau 20, lui un niveau 22. Très bien, on espère que ça va passer aussi. Si Calabra ne pouvait pas être Mikaou durant tous ses dresseurs, ce serait parfait. Oh, pff, oh le. Calabra, je te tiens mon chapeau. Je te tiens mon chapeau, tu gères. Tu gères. Oui, surtout la perte là, en ce moment. J'ai l'impression que c'est surtout de la perte. Donc là, le chemin très habile. Bon, je vais gagner. Ouais. Et ben, je crains que tes talents en termes de médium et de dresseur de Pokémon soient un peu limités. Ouais, bah, c'est pas avec des Fantominus niveau 18 que ça passera, ma petite vieille. Le Spectrum niveau 22 de tout à l'heure, il l'a bien senti passer, là, par exemple. Donc, petite information sur Pokémon Lune et Argent, car j'y ai joué assez récemment, même si bon, je traînasse un petit peu. Kadabra, Abra évolue en Kadabra, niveau 21. C'est-à-dire que Abra, si je capture un Abra niveau 7, il me semble, le Abra niveau 7 n'a pas eu de sort offensif jusqu'au niveau 21. Et je l'ai XP de cette manière, donc en première position et en switchant au fur et à mesure. Jusqu'à ce que ben il évolue et c'était très long, c'était très ennuyeux. J'aurais bien aimé qu'il évolue un petit peu avant. Mais le fait est que non. Ah ben voilà, Rafale Psy niveau 21. Car il n'apprend pas choc mental. Donc il n'a pas d'un choc mental niveau 16, comme là. Il a uniquement Rafale Psy niveau 21. Petite trivia, on va dire. Un magnifique spine d'attaque. Rafale mentale, ça rigole zéro. En retour, le choc mental, on peut se poser des questions. Toi, la rafale psy. Eh ben non. Content que vous le preniez bien. Ok, donc devant nos yeux, ça va être ici. Super. Dans le doute, on va soigner un coup Kadabra qui a pris un petit peu une léchouille au début. Et les potions, elles sont où? Elles sont en bas. Elles sont les potions. Super. Hop là, Kadabra. Oh, plus 50 HP en plus. C'est pas goldé. Toi, c'est bien d'être venu. Issa, Rosalia, c'est Rosalia. Rosalia, les Pokémon ont été vénérés. On dit qu'un Pokémon légendaire apparaîtra pour le dresseur le plus puissant. Oh, je me demande qui ça va être. J'ai cru à ce compte, et je me suis entraîné ici toute ma vie. Au final, je peux voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Juste un peu plus. Et j'ai un petit pop-up qui a pop, excusez-moi. Je règle ça. J'avais coupé tous mes pop-up, mais apparemment, il en restait, navré. Juste un peu plus. Encore un peu, et je pourrais voir dans le futur et voir ma rencontre avec un Pokémon légendaire. Tu vas m'aider à atteindre ce niveau. Ah oui, on part sur un type pas content. On part sur un type Mortimer, un peu amer. Non, ça. Et eh bien c'est dommage d'avoir uniquement des Pokémon de type spectre poison parce que du coup ils se font wrecked par les Pokémon. Ah j'ai fait choc mental, bon. Fantomius niveau 21, ça devrait passer je pense, au choc mental, clairement. Oui c'est bon. C'est dommage d'avoir uniquement des Pokémon de la même famille. C'est-à-dire avec même double type dans toute l'arène. Ça fait ce qui. Ça aboutit à ce qui se passe là actuellement. C'est. Kadabra recte votre arène tout seul. Bah, Rafale Psy sur lui, voilà. Blum 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 blum. Au revoir. Oh, Ectoplasma. Alors là, Ectoplasma, je sens que. Bon, quel niveau? Ouh, mais quand même.
Ectoplasma, j'espère que ça va passer. Je pense pas qu'il devrait one-shot Kadabra non plus. Ectoplasma, il tank un peu plus déjà. Oh merde, oula, oh zut, oh zut. Oh sacrebleu. Bon bah Kadabra, t'es bon et l'Osiris auront été. Voilà. Par contre, est-ce qu'on renvoyait? J'ai confiance dans Vals. Vals, j'ai confiance, les valeurs sur Vals. Vals avec une petite tornade. C'est ennuyeux ça. C'est pas très gentil. Heureusement qu'on est un dresseur très prévoyant cette fois-ci et qu'on a acheté des rappels la dernière fois. Hop là, et Vals, tu te réveilles. Repart au turbin. Ah, allez. Trop déçu de vos rêves du coup. Non. Pas sac, tornade, hop. Non mais c'est trop relou. Là c'est trop relou. C'est. Il me semble en plus que Hypnose a une portée assez. Portée. Une précision assez faible de base. Donc bon, là c'est un petit peu ennuyeux. Des vos rêves, oui c'est dommage hein. Bah oui. On va pas faire l'erreur de faire Nuvi Attaque. Hein. Ah voilà! Pas cette fois. Saloperie. Alors Vals, il va se. Oh! Allez, cette fois-ci, ça bonne! Non, mais non. Oh, mais non, mais. Hors de feu! Hors de feu! Tu envoies un éclair sur ce truc. M'en fous, tu fais un éclair. Ouais, dévorer, c'est ça. Oui. Vas-y, vas-y, éclate-le. Il va rendormir toutes les Pokémon. Donc, Hypnose, ça a combien de PP? Ça en a 15? 10? 15 peut-être. J'ai confiance sur la durée, vous inquiétez pas. Peut-être que Kaninos, niveau 14. Une petite morsure. Qu'est-ce qu'il est mignon de dos, regardez. La morsure. Te fais pas one shot, s'il te plaît. Te fais pas one shot. C'est tant mieux ce qui se passe. C'est tant mieux. Bon, Sarko, tu finis ce qui a été commencé. Voilà, vas-y, Sarko. Voilà, non, 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 non. Tu décèdes juste, tu décèdes. Voilà. Là, il y a 1 milliard d'XP partout, super. Sarcopas. Oh, c'est super ça. C'est vrai que. Ouais. Ça va être un combat lent et ennuyeux. Du coup, on va juste utiliser un rappel sur Kadabra. On va juste régénérer Kadabra. Envoyer Kadabra. Oh, il donne ténèbres, il me semble. Oui, je me souviens. Oh là, c'est pas très gentil ce qui se passe. Pas ça, ça. Il y a combien d'HP en moins qu'à la bras? Allez. Ça passe. Bon, Sarko, tu vas tomber KO, mais c'est pas la bonne cause. On ira centre Pokémon après. Promis, hein. Oh non. Sarko qui n'a pas attaqué, bon, en 3 tours a été mis KO. 2 tours a été mis KO. Bah zut. Qu'est-ce que ça cache? Ah! Il est de retour! Voilà, c'est bon, dératise-moi ça. Et bien, ce Spectrum, il aura posé des problèmes un petit peu, hein. Ce Spectrum, cet Ectoplasma. Un peu déçu de Kaninos. Kaninos, j'avais une très grosse confiance en Kaninos. Et la morsure. Mais pas assez de vitesse, pas assez de tanky. Tankisme, tanky. Il me faut des lunettes. Ah, oh, c'est drôle. Ouais, j'aime mieux ça. Hein. Le badge, tout ça. Badge brume, super. On est content. Super, c'est bon. Alors, muscle peu XP. Un surf, super. Et ça serait ténèbres, je pense. J'espère, non, parce que c'est fort en plus. Ombre boule. Oh, mais ça va bien aller sur Kadabra. Hein. En vrai. On va faire de suite d'ailleurs. C'est un peu le caster de la team. Ah bah, Kadabra, il me semble que tu peux la prendre. Bah oui, tu peux la prendre.
Bien sûr. Et ben le téléport, je doute qu'il serve. Enfin, si, peut-être. En vrai, il peut être utile. En vrai, il peut être utile, mais qu'elle a beaucoup de vitesse. Du coup, on peut se dire que. Alors, hop là. Et on se casse de suite. Hop. Calabra ayant beaucoup de vitesse, je me dis qu'il a des chances assez élevées de pouvoir fuir. S'il ne met pas KO l'adversaire, bien sûr. Et son attaque spéciale, ça va passer. Alors ensuite, il me semble qu'il faut partir à l'ouest. À l'ouest, ouais, je pense. Allons-y. À l'ouest, ça sent l'arène de Pokémon Ho, peut-être. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut partir par là? J'ai le panneau. Allez, Oliville. Allez, Oliville, c'est parti. Alors, les dresseurs, je m'en fous, hein. Ce serait bien. Ouais, je pense que c'est une arène de Pokémon Ho là-bas. Du coup, on va mettre Hortefeux en première position afin qu'il pexe un peu. La Kadabra, il s'est bien gavé en XP. Ah, voler. Oui, c'est pas. Il parle au Pokémon. Il parle au Pokémon, il ne dit pas nous. Volez mes jolis Pokémon, tenez, volez-les. Non. Alors, pas du tout. Ah, on est plutôt content d'avoir mis Hortefeux en première position. Ça va cramer des piafs. Et Hortefeux, je me languis de ta prochaine taille électrique parce qu'éclair, ça va bien un moment, quoi. Eh ben non, peut-être au niveau 20. Alors, tous ces dos duo qui tombent, un nain. Portefeu, il les raccompagne à l'avion, si je puis dire. Ah, je vous raconte pas quand j'étais en train d'XP. Enfin, si je vous raconte, du coup, c'est l'expression est stupide, oui. C'est stupide, et je l'utilise, bref. Donc, quand j'étais en train de faire pexer notre cher Abra, connu sous le nom de Kadabra aujourd'hui, je croise un Caninos. Ah, le premier Pokémon que je croise, c'est un Mimigal. Un Mimigal. Vous voyez la petite araignée. Ma petite araignée, sachez que quand elle est shiny, elle a une petite couleur noire, elle est de couleur un petit peu noire, noir bleu il me semble. Et le fait est que sur Pokémon Or, la nuit, eh bien, ok c'est pas usé par là, super. Ah c'est peut-être pas en haut en fait. Oh non. Donc Mimigal est de couleur un petit peu bleu foncé, quand elle est shiny. Or, figurez-vous que j'ai croisé une mail comme ça. Mais en fin de compte, après avoir XP un petit peu, donc j'ai capturé en croyant que c'était un Pokémon potentiellement rare. Mais le fait est que pas du tout. C'est juste le skin de Mimigal de la nuit. Et là on va XP Caninos. On espère qu'il va se mettre KO. Vas-y Caninos, j'ai tout à fait confiance en ta capacité. Et ben cellule. Mais bon, t'as 3 niveaux de retard, du coup c'est normal. Donc ça va. Caninos, vas-y. Vas-y, croque-moi ce granivole. Considère que c'est ton repas du soir. Bunk. Là, on termine avec une morsure. Miam miam. Miam miam le granivole. Ah, Floravol, alors là. Je connais un qui va se faire griller. Ce que je vais faire avec des charges. Ah oui. Ah bon, en fait, tu vas faire des choses. Ok, Caninos, deux se mettre KO. Et ça. Oula. Il a des problèmes. Je pense qu'on a le temps encore de mettre un petit. Ah bah oui, Mimique, très bien. Je pense qu'on charge, il met pas KO Caninos. J'ai pas regardé combien de dégâts il a fait, mais il me semble que c'était un petit peu moins. Peut-être qu'il finira à 2 HP, 5, ça va. Oh, est-ce qu'il le mettrait pas KO? Est-ce qu'il le mettrait pas KO? Oh oui! Pff, alors tout se déroule sans accroc, j'ai envie de dire.
Voilà, Kalinos qui prend plein d'XP. Merci des lentilles. Madame, pas de problème, hein, quand vous voulez. Quand vous voulez, quand vous voulez. Alors, je vais pas soigner Hortefeu, j'ai misclic. J'ai misclic. Et on serait pas déjà arrivé? Oh, pas du tout. Oh non. Oh. Oh, j'en connais un qui s'est perdu. Oh mince. Moi j'ai vu le télékinésiste, je me suis dit, ah, les Pokémon psy qui font mal, machin. Et pas du tout, c'était un pauvre Amoulos. Et bien, il y a deux types de personnes dans la vie, les personnes qui ont des rabolos et les personnes qui ont des canabras. Et les personnes qui ont des canabras, a priori, c'est un peu des gens qui rigolent pas. Hein. Enfin, en tout cas dans les arènes de type Fantomius. Voilà. Voilà. On va garder naturellement Hortefeu. On voit Chocontal, il se défend, regardez-le. Il se défend. Bon, il se défend un petit peu quand même. Hein. Alors, te fais quasiment niveau 21. Oh, tes Pokémon sont fous. Merci. Merci, je suis très content. Très content que vous disiez ça. Et là, il y a des meubeux. Oh putain, c'est eux. C'est les crémeux. Fuyez. Oh, mais... Mais... On dirait qu'il fallait par en bas. Ah ben oui, il fallait par en bas, excusez-moi, monsieur. Oh putain, je vais le porter. On se les montre. Oh, c'est dégoûtant, mais madame, non, je veux pas vous montrer les Pokémon, laissez-moi partir, non. Non. Avec vos peluches, non. Pikachu, qu'est-ce que j'ai qui est fort contre... J'ai rien qui est fort contre ça. Ah, j'ai rien. Attendez, mais j'ai pas quand même rien qui est fort contre... Faible. Ouais, mais j'ai rien qui est fort. Bon, tant pis, hein. Ça va jouer un coup de charge, vas-y. Oh non. Non, mais non. Insupportable. Hortefeu, tu lui fais des fesses. Voilà. Encore. Ouais, c'est ça, remue ta queue autant que tu veux. Tu n'échapperas pas à ton destin, qui est de te mettre KO par l'énergie qui s'appelle Hortefeu. Oh non, c'est vrai qu'ils mettent des baies dans leur Pokémon. Non, mais non. Vas-y, remue ta queue, tiens. Raté. Tiens. Oh, alors, la prochaine attaque qu'il me met, il me défonce. Moi, je vous le dis, il me défonce. Et à tout ce jour-là. Ah bah non. Il stack, là, il compte. Là, il pense que je vais rater. Est-ce que je vais rater? Eh bah non. Voilà. Voilà, l'heure du battu lui attaque. Bravo, misplay. On va savoir qui misplay à fond. Et bah, c'est vraiment la main d'un coup. Hein. Je m'en fiche si je perds d'abord. Na. Télébrique, vous voyez prendre, j'ai envie de dire. Hortefeu, il a bien XP. Moi, j'aime bien quand les Pokémon sont à peu près du même niveau. Bon, là, Kalinos, il est un peu au fond. Mais niveau 14, je vais pas trop le sortir devant des Pokémon plus haut niveau. Lui, il a une gueule de mec qui a des Pokémon électriques, je pense. Que c'est le rocker, un truc comme ça. Bon, mettre Kalinos en premier, en fait, finalement. Kalinos en premier, voilà. Et je pense que il va qu'une électrique. Ou vol, peut-être. Je reviens de Hollyville, ça te dit? Ah non, c'est O, c'est un marin. Oh, je suis stupide.
C'est un marin. Ouais, c'est un marin, totalement un marin. Tétarte. Oula, mais ça rigole pas là. Ça rigole pas du tout ce qui se passe, Tétarte, ballon. Et ben on va renvoyer Hortefeux. Hortefeux est ton autre solution principale contre les Pokémon. Oh. Ah bah ça marche pas. Enfin si ça marchait, mais pas trop. Ouais, pas fou hein. Mais ça marche ou pas? Ouais, c'est ça, crache-moi dessus. Je connais quelqu'un qui passe beaucoup mieux le cachard que toi d'abord. Tiens. Ça fait moi le malin d'un coup. Bon, et aussi, c'est vrai qu'il a pris quelques niveaux, Hortefeux. C'est ça, crache des bulles, vas-y, crache des bulles. Crache des bulles. Tiens. On a pas un Pokémon feu, on répond à un Pokémon plante. Mais bon, contre les plantes, on a quoi? Ouf. Chaque fois, je... Oh, Knioski, hop. Qu'est-ce qu'il va envoyer? Rattaque. Oh, le Rattaque, vous allez voir ce qu'il va prendre. Vous allez voir ce qu'il va prendre. Non, bah, oui, c'est vrai. Avec muscle en vrai ouvert. Mais bon, c'est pas très sportif, prendre de... Comme ça, le type opposé, machin. Non, il faut savoir être bon joueur, il faut savoir envoyer un Pokémon qui a ses chances. Laisser une chance à l'adversaire, j'entends. Dit-il après avoir utilisé un Kadabra enragé pendant toute l'arène de Roselia. Bon, bref. Me jugez pas. Hein. J'avais besoin de ça. Sans ça, je ne passais pas l'arène. Je vous le dis. Et à paf, le Rattata, au revoir. Oh Vals, tu es si proche. Oh le Krabi, tu te le fais, tu es up niveau 20. Oh regarde-moi cette tête de demeurer. Tiens d'ailleurs. Il y a les pinces en l'air et tout. Oh c'est un coup critique ça. Tu ne craches pas sur Vals. Non. Oh, enfin, ça va. Tiens encore. C'est débile. C'est pas flou au dégât actuel pour ce qui se passe. Hein. Malheureusement, je ne pense pas qu'on ait pu apprendre Fatal Foudre à Vals. A priori, c'est impossible. Ah non, mais c'est... Force poigne. Oula. Oula, 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 du calme. Hein. Du calme. On va finir avec une attaque dans le doute. Normalement, il n'y avait pas de quoi être plus rapide que Vals, mais bon, sait-on jamais. Hein. Magnifique. Au revoir, Jacob Marin. Là, c'est toujours en bas. Oh, oh, la musique change. Oh, c'est là. Oh, magnifique. Oh non. Oh non, pas lui. Encore toi. Pas le bon de paniquer. Je ne me tracasse pas avec des muscles comme toi. En parlant de gringaler, le champion d'arène n'est pas ici. Il est soi-disant en train de s'occuper du Pokémon au phare. Le Faramp. Boujou. Boujou. Laissons donc filer les Pokémon malades. Un Pokémon qui ne peut pas combattre est inutile. Pourquoi ne vas-tu pas t'entraîner au phare? Qui sait? Peut-être que cela te rendra moins faible. Alors, mon vieux, je t'ai recte deux fois déjà. Si c'est toi, je ne ferai pas le malin, hein. Petit bâtard. Alors. Non. Insupportable. Eh bien écoutez, nous voilà à la prochaine ville. Donc c'est la fin de cet épisode de Pokémon. J'espère qu'il vous a plu. Mais que dire d'autre? Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à danser tout nu dans votre salon, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, j'étais ravi de faire cette vidéo en votre compagnie. Et j'ai pas pris le timer de l'arène, zut. Bon. Bon, je vais t'améliorer ça. Bon, bref, peu importe. C'est mes problèmes. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, journée. Et je vous dis à la semaine prochaine.